وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de la fin des temps, il a dit, il va venir des femmes qui sont habillées mais nues. Elles sont habillées mais nues. Et les savants ont expliqué cela. Qu'est-ce que c'est habillé mais nues? C'est-à-dire qu'elles sont habillées de sorte à ce qu'on voit leurs membres à travers. Ou bien ce qu'elles mettent est large et transparent, ou bien c'est moulant et opaque. Dans les deux cas, ces gens-là sont concernés par ce hadith. Car on voit à travers, le vêtement est fait pour cacher ce qu'il y a derrière, pas pour cacher la couleur de la peau, cacher aussi la forme du corps. Si on voit la taille du bras, comment il est épais ou il est fin, si on voit la taille ou de la poitrine ou des jambes, alors il n'y a rien qui est caché. C'est pour ça, parmi les conditions du hijab shar'i, le hijab, c'est pas le fait de mettre quelque chose sur sa tête. Le hijab, c'est de couvrir tout ce qui doit être couvert. C'est qu'il soit ample et qu'il ne soit pas transparent, qu'il soit opaque. Qu'il ne doit pas être en lui-même un embellissement, quelque chose qui attire le regard. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de ces femmes, a dit, elles n'entreront pas au paradis et elles n'en sentiront même pas l'odeur. Et pourtant, l'odeur du paradis, il se sent à temps et temps. Car ceci est contraire à la pudeur. De même, des hommes qu'on voit habillés de manière indécente, de pantalons tout moulants, où on voit toute leur forme, alors qu'Allah a ordonné de cacher certaines parties. Allah nous a donné des vêtements pour cacher notre nudité, non pas pour la mettre en valeur. Non. Donc, parmi la chasteté, ce n'est pas seulement les gens qui disent « je suis chaste », c'est-à-dire qu'elle ne fait pas la fornication avec un autre homme. Il y a tout ce qui va avant, ce qui mène à la fornication. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « chaque partie du membre du corps, il a sa part de fornication. L'œil, il a sa part de fornication, c'est le regard. La main, elle a sa part de fornication, c'est le toucher. » Donc chaque partie du corps, quand la personne il ne les préserve pas, alors on ne peut pas dire qu'il est vraiment chaste. C'est pour ça Allah Ta'ala a dit, il dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Donc regardez comment ça va ensemble. Préserver la chasteté, c'est en baissant le regard. Et dit aux croyantes de baisser leur regard et de préserver leur chasteté et de ne montrer que leurs atours, que ce qui est apparent, c'est-à-dire le vêtement. Elle peut pas cacher son vêtement. Elle a son vêtement. Le vêtement aussi, il faut le cacher. Le vêtement, c'est pour cacher ce qu'il y a en dessous. Barakallahu fikum. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا